Nous saluons le peuple haïtien qui répond présent. Monsieur Jounas, vous avez un petit silence. Là, il est bon là. Natio, avec monsieur cette dame, avec monsieur cette tête, ça y est, monsieur Damio, monsieur Dame, ça y est, j'ai connu, Bagmaï a été là. Natio, Demon Gimon, fait couper fait. Si yo di a, et maintenant la tuque t'a couvri nous, cadavre nous, yo t'a mal constaté là, parce que nous sommes dans le pape, yo puisse frapper nous. Yo frappe nous, mais nous répondons, la nature répond, et puis yo di a, faut faire ce travail quand même. Et toute force nature, au goût ferra, au goût balen tout. Tout ça nous va wè yo. Tout ça nous va wè yo, nous pas. N'en déplaise pas avec et madame Poto, qui sont chrétiennes, mais nous-mêmes, nous ne croyons pas, nous ne frappons pas. Et même si nous ne croyons pas, nous ne frappons pas, nous-mêmes, dans le bloc là, nous ne croyons pas, ça a prié, ça a jeté de l'eau, jeté de l'eau. Bon, monsieur Damien a attaqué nous, la presse, machine nous crase. Mais nous te gardons comme ça. Je te dis, conférence ça a annoncé. Est fini, est fifi et nini. C'est ça que vous dites. Mais n'est-ce que je veux beau sale? Monsieur Damien, je veux beau sale, oui. Dans le conseil présidentiel là. Mais au goût Balen Djo là, au goût Ferraille là, les îles dans toi, les îles là, la nature là, les pays là, bataille là, mais n'est pas bataille pas nous. C'est bien compté, ma carrière. Bon, objectif conférence de presse ça, j'ai madame Rebecca Potodil, qui c'est yo. Une dame missionnaire qui est dans le bloc là, qui a prié, elle a jeté de nous-mêmes, dans chaque monde qui croit en Spayo, il était annoncé déjà, nous avons ensemble action légale que nous avons entreprendre et nous allons continuer à entreprendre. Qui ça y est? Dans le bloc avocat, dans le MUDA, côté Maxon Polite déjà parlé, Diaspora déjà parlé, nous allons citer dans le tribunal correctionnel. Sept messieurs dames, ça y est. Mais messieurs dames, depuis le commencement de la bataille là, le commencement de l'installation, nous avons fait un peu de vie. Quand Tichine, Tichine m'a montré tout toi, lui. Oh, Leslie Voltaire, même, ouais, soit regardé Leslie Voltaire, ou après monsieur, son nez qui remet tout pour quoi. Même notre costume, monsieur, ouais, tout toi là, monsieur, dit, bon, tout toi, moi. Même dans trois, monsieur va quitter pour petit jeune pour aller à l'école. Avec tout, vous avez dans l'argent, comment ça va passer? On est qui architecte qui est bien formé, papa. Mais son nègre, vous avez qui remet tout bagaille pour lui, il dit bon, tout trois moins. Nous qui docteur Gérard Gilles, un docteur expérimenté qui nous remet. Mais docteur Gilles, pays à quoi? On a qui sont entrés là. Ou t'as quitté ça pour pasteur qui était dans ce conseil électoral là? Nèg ou est tout monde dans dit monsieur mais ça t'a fait c'est l'argent t'a prend ou même docteur j'ai pas que ça sous tête tout Edgar Leblanc fils c'est qui sont rentré école là sénateur Edgar Leblanc fils faut ça font jeune qui ça nous rentré école nous là monsieur dame moi pas ka faire rien pour nous dans bloc avocat dans mudal pas ka faire rien pour nous nous tout pral répondre question la justice pour usurpation de titre et défonction nous t'es déjà chômé hein. Citation pralée dans les heures qui viennent. Parce que, messieurs, dames, ça ne pas respecter la loi, ne pas respecter la constitution, ils ne fait tête sur passé. Dans des conseillers présidentiels, constitution 1987, là, pas jamais prévoir bagaille ça. Et dès que ça a commencé à agir, au nom de l'État ici, nous pouvons le dire, l'obagé qualité selon la constitution, ou pas gagner pour engager l'État et nous allons attaquer pour usurpation de titre et de fonction. Pour l'autre ministre qui était la première ministre, qui par contre, a publié dans le journal PIA, les moniteurs, yon charabia. Entendez, yon relé arrêté le conseil des ministres, qui a le décret hôtel, on va commencer à dire, yon parle tout. Ce sont des nuls nègres qui ont été là. Nous prenons lui-même,
nous prenons porter plainte pour le cabinet d'instruction pour membre CPO. C'est citation directe correctionnelle fait pour contrôle, pour usurpation de titre et de fonction selon article 217 et 218. Et nous même disons le bagage. Est-ce que nous avons tout le monde qui signe, qui voit le bagage ça, tout parti politique ça, nous prenons des juges là pour interdire pour aller à l'élection et tout le monde qui représente le parti politique ça, pour juge là interdire parce que c'est des complices. Article 44, code pénal là, il est clair. Il parle des complices. Puisque la famille là-bas va faire l'élection, et va faire l'élection, petite des va faire l'élection, tout ça, tout le monde qui est référé à cette personne, dans la citation directe correctionnelle, nous allons faire, nous avons pris pour des complices. Et immédiatement, nous allons demander, nous allons demander pour interdire les droits civils et politiques. Et parti, nous allons demander pour interdire pour ne pas participer à l'élection parce que ils ont violé la loi. Parce que ils sont complices dans la usurpation de titre et des fonctions. Et article 217, 218, constitution 217, 218, et 44, code pénal là est clair. Avec les nègres, ils ont maintenant tête. Nous allons faire un complot sous le peuple. Nous tout dire retirer quand ils sont là, ils ne peuvent pas aller à l'élection. J'en dis là, pour les qui sont dans le gouvernement, ils ont créé le gain pour y aller. Pas cabinet d'instruction, pour un crime créé, le crime de haute trahison. Je parle pour ministre. Ils ont créé le cabinet d'instruction pour crime de haute trahison. Nous, même dans le bloc avocat, nous sommes clés sur ça. Dans le MUDA, nous sommes clés sur ça. Et tout notre allié, tout notre groupe qui a bataillé dans la cassation, nous sommes clés. C'est peut-être ça nous-mêmes. Si on ne peut pas remettre Caleb au côté du on a négocié la cassation et pour les gens qui sont dans la cassation, je menti. Mais Caleb est un avocat expérimenté, il y a 20 ans de bataille. Je vais tout négocier pour moi. Dans nos pays, et même pas comme ça, je ne sais pas si le pays a besoin. Je ne sais pas comme ça, la constitution dit. Je ne sais pas Machiavel. Je ne sais pas l'équipe qui est auteur. Mon équipe a même qu'on lit pour me dire que c'est un grand bail. Décidez pour payer ça. Je dis non. Et puis nous avons également exigé sans condition pour un juge dans la cour de cassation prétestement. Bon, dis-nous, il y a des gens qui ont posé des questions. Pourquoi nous avons des représentants de cassation là? Je ne sais pas quoi les affaires, juge par juge, je ne sais pas quoi les juge, je ne sais pas quoi les juge de cassation. Qu'est-ce qui est dans la scène? C'est l'institution. Parce que la constitution dit clairement, mais comment ça vous fait, mais qui est citoyen nous-mêmes. Nous demandons respect à la Constitution, nous ne pouvons pas gagner à faire tel juge, pas tel juge. Nous demandons respect à la Constitution, c'est ça que nous demandons. À faire juge, tel juge, pas tel pas intéressé. Et nous continuons à battre jusqu'à ce que nous arrivions à respect à la Constitution pour un juge. Prétestement, selon l'article 59, Constitution 1987 qui va déjà amender. Et nous là, nous avons avancé. Pour nous avancer, messieurs, dames, la presse, de, je me dis avec. Monsieur Maxon, Polite. J'aimerais dire avec Madame Poto, j'aimerais dire avec Zécule et tout le monde. Est-ce que c'était moi, Caleb Jean-Baptiste, qui était sorti moniteur ça? Meni. Est-ce que c'était moi? Meni, moniteur ça. Meni. Est-ce que c'était Monsieur Maxon qui était sorti? Est-ce que c'est Madame Rebecca Poto qui était sorti? Vous connaissez ça, mais oui. Mon qui est signé, c'est Ariel Henry, et monsieur Ariel Henry, Emile Prophète, et Ricard Pierre, et Michel Patrick Bravet, Pradel Osbon, et tout l'autre ministre. Pourquoi ça a été créé? On va créer le Haut Conseil de Transition. Nous avons une attribution au Conseil de Transition. Il va faire partie du gouvernement. Là, au premier ministre, vous démissionnez. Ou pas démissionner pour le conseil de transition parce que même ça yo yo pas membre gouvernemental yo te gon attribution particulière. Est-ce que nous comprenons bien qu'elle va prévoir la constitution? Yo te ban attribution particulière avec dit démission monsieur Ariel Henry li pas démission moun sa yo. Est-ce que nous comprenons ça passer pour là monsieur le journaliste? Est-ce que nous comprenons? Avec dit, nous avons passé là, Madame Hippolyte Maniga, toujours
à engager l'État. Parce qu'elle est toujours chef. Et nous avons salué tous les réseaux sociaux, toujours pour te supporter et dans tout ce qu'a fait dans le pays. Dans nos parties de la diaspora haïtienne pour Haïti, MUIDA, des conseils avec bloc avocat engagé qui font un gros travail spécial dans toute bataille, dans tout cas de corruption dans le pays. Nous disons, peuple haïtien, nous avons un cyclone qui est un cyclone qui est plus grave que tout cyclone nous connaît passé dans le pays. Et cyclone 9 d'être ça, nous pouvons connaître qui ONG, qui protection civile nous va chercher pour porter sinistré par les gens à côté de à 4h du matin, dans les champs, nous avons une équipe de gens qui descendent dans le palais, mais c'est un bas coup de balle. Ils ont couru monter dans la ville d'accueil pour faire zak malhonnête qui ont fait pays. Et bien nous-mêmes, dans le peuple, nous disons son seule façon pour nous faire mounsa yo connait pays a gen moun ladan c'est descendre dans la cour de cassation aller selon vieux constitution 1987 là prendre un juge installé pour faire pays en reconnaître un rail démocratique et dans moment ça c'est pas moment pour nous gagner 9 moun c'est première fois dans l'histoire nous un 9 grain moun sa yo choisi prendre pays en otage cyclone ça il pas ravager petit pays et maintenant nous mêmes nous sept partis politiques en tant que pays à mettre ensemble. Et nous avons dit c'est sept mafias. Et nous prenons deux autres mafias, nous ne pouvons pas côté de sorti. Et même les gens dans la diaspora dit nous ne pouvons pas personne dans le monde. Et même aujourd'hui, nous avons installé là, nous ne pouvons pas connaître qui champouel qui peut voler dans le pays. Et nous même nous campons en l'homme et en femme pour nous dire non, ça ne va pas passer dans le pays et nous prenons installer un juge dans la cour de cassation. Très bientôt, ben nous connaissons l'exo, nous prenons le gourmet. Nous prenons le gourmet ensemble. Nous prenons le ministre. Nous prenons qui est-ce pour choisir. Nous-mêmes, dans le jour, nous prenons une réponse avec les peuples haïtiens parce que nous besoin pays à diriger. C'est Olivier Axon. Vous connaissez ceux qui forment. Vous connaissez ceux qui forment pour y rencontrer monsieur et dame qui sont des âmes. Nous avons dit que la commission ça, il a dû former au moins avec 13 personnes, 13 entités. La commission a gagné pour mission. Monsieur, si on ne pas accepter tout ça, si on ne pas accepter tout ça, je suis malou pour meilleur. Monsieur, ça l'a dit à la clé, oui. Si vous acceptez de ça, plan sécurité ça. L'esprit naturel qui est naturel, portez ben nous pour nous communiquer pour retirer le pays dans sa vie là. N'est-ce pas le faux pour le coupable de tout mal qui va venir là. Nous demandons pour vos commissions. Qui pourra rencontrer toutes les dames qui sont des amis. Si les gens qui peuvent avoir gros l'argent pour mettre dans un centre de rééducation, pour avoir un métier, pour former, pour avoir un avocat, pour avoir un juge, pour avoir un commissaire gouvernement, pour avoir un sénateur, pour avoir un député, pour avoir un ministre, premier ministre, président. Et ça demande pour les gens qui peuvent avoir gros l'argent. Nous demandons. Commission pour décider pour grand moun qui gen grand torien yo les iso les vitelom les barbecue le mot saint jour chris là l'autre et l'autre et l'autre et l'autre commission pratch avec yo tout pour joignon entente qui est capable de 1 an en prison 2 ans 3 ans mais 1 an en prison 2 ans 3 ans gen cap prend et pas dans prison pas l'autre promettre au côté non papa. Ou après former, rééduquer, retirer les droits de sang, parler avec eux, faire un psychologue, sociologue. Allô. Et puis, quand il y a là, dans la période de tout ça, il y a réformé. Et, ou pas de mal plus que 3 ans. Parce que son entête national qui a cherché. Mais qui est-ce qui est dans la commission ça? Oui? Nous gagnons, nous devons gagner. La commission doit former les 13 secteurs de la vie nationale et de la diaspora. Ils ont représenté la justice.
Nous représentons la justice. Nous gagnons, nous représentons la police. Fait deux, pas vrai? Nous représentons l'armée. Faut toi, faut que vous représentez l'armée. Nous représentons la diaspora. Nous représentons la fédération des barreaux. Nous représentons le secteur privé des affaires, même si on dit par exemple, mais il faut que vous représentez. Nous représentons la société civile là. Nous représentons OPC, Office de la protection des citoyens. Nous représentons les femmes qui ont des amis légalement, mais il faut que vous représentez la commission. Nous représentons le secteur religieux là. Nous allons contacter les religieux pour la paix. Yon représentant université A, UEH. Yon représentant droit humain. Yon représentant la presse. Et yon représentant classe politique là. Bon, on met 14, nous cachons. Mais yon représentant la presse, yon représentant classe politique là. Messieurs, dames!